arrachés à la terre, roulés par les torrents jusqu'à la mer, rongés, usés, blanchis, se sont échoués là des milliers de racines de séquoia. Nous sommes sur la côte californienne, non loin de Fort Bragg, un site unique au monde. Sur des kilomètres, le fantastique ossuaire des plus grands arbres que la terre ait engendré. C'est là que George Buck a ébauché son rêve et commencé son business il y a 10 ans. Piece of redwood we can use on the side of a chair for decoration, or maybe as a leg on a small table. We should take it with us. Cemetery of roots. It's like a giant cemetery. It's incredible. Every time you turn over a piece of wood on the beach or in the yard, it's like, what is it? I mean, it's a surprise every time you turn something over. It could be like a diamond, or it could be a piece of shit. Pendant des années, ces racines de séquoia ont été pour George Buck et ses copains une source exclusive d'approvisionnement. George, un personnage à la Hemingway. Le premier à avoir eu l'idée d'exploiter ces bois millénaires. Avec lui, Ed, ancien prof d'histoire à la recherche d'aventures, et puis Scott et Charlie, les inséparables. Époque bénie des débuts. Été comme hiver, il fallait arpenter les bords de mer à la recherche de la pièce rare. Il n'y avait pas vraiment de business, on ramassait, on vendait juste de quoi faire la fête. Seule l'amitié comptait, les grands espaces et les grosses racines, bien sûr. L'excitation de la recherche valait toutes les découvertes et toutes les tentatives. Un rêve de quelques tonnes, parfois réticente. Aujourd'hui, les plus belles pièces ont disparu. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. L'errance sur la côte n'est plus rentable. Répandu sur toute la Terre à l'époque glaciaire, c'est dans le nord des États-Unis que se trouvent les dernières forêts de séquoia existant sur la planète. Du sud de l'Oregon jusqu'au district de Monterey en Californie, une étroite ceinture de 60 km de large sur 600 km de long. Avril 1906, un terrible tremblement de terre secoue San Francisco. La ville brûle. Commence alors l'un des plus grands massacres écologiques du début de ce siècle. L'abattage systématique de milliers de séquoias, des millénaires sacrifiés à la reconstruction d'une ville. Arbre de la démesure, le séquoia a développé pourtant une fabuleuse aptitude à survivre. Une écorce tannique épaisse pour résister au feu, aux insectes, aux maladies, mais encore des racines qui s'entrelacent d'un arbre à l'autre pour mieux s'arrimer et lutter contre les vents. Magie de ces forêts cathédrales, l'homme écrasé par la grandeur de l'arbre, des hauteurs de tronc qui peuvent atteindre 130 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 40 étages. L'orage se perd dans la nuit des temps, 2500 ans et plus. Le séquoia a résisté au siècle, pas à l'homme. Des centaines d'hectares déboisés au début de ce siècle ne restent qu'un paysage apocalyptique, une zone vallonnée, chauve et sinistrée. Les hommes n'ont pas reboisé. De loin, les souches ressemblent à des menhirs, mais pour quel lieu sacré ? C'est là, en fait, que se trouve le véritable cimetière des séquoias géants. Dans cette seule zone, 60 000 racines ancrées dans le sol. Un bois sec, d'une qualité qui se convertit en dollars. Thank you.
George Buck vient sans doute de réaliser le plus beau coup de sa carrière, le droit exclusif d'exploiter ses 60 000 racines. Une concession qui lui assure, sur le marché mondial, un quasi-monopole. George Buck est un homme heureux. Chaque jour, une armée de bulldozers, de scrappers, armés de griffes, de lames, de crochets, mènent une lutte titanesque sur les contreforts des Rocheuses. Des millions de mètres cubes de terre remués, des tonnes de racines à tracter, à soulever, à dépecer. Dans un vacarme infernal, les engins à l'assaut des racines. Un duel hors temps pour que de notre mémoire ressurgissent les séquoias massacrés. Dans la concession, chaque racine est regardée comme une pépite d'or. George, en expert averti, apprécie chacune d'elles. C'est sur le terrain que se joue leur nouveau destin. Bois brut destiné à la vente directe, exploitation des plateaux pour la fabrication de meubles gigantesques, sculptures géantes dans les souches les plus hautes. Particulièrement prisée, la loupe de séquoia, utilisée en marqueterie, le nec plus ultra des tableaux de bord de Rolls-Royce et de hors-bord. One, it's got, it looks like lace, but it's not lace, it's a, it, no, yeah, that's what it is. No, I haven't done anything on that one. I mean, nobody said anything, just had to be sitting there, huh? We, tit, 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 tit. Yeah, you can get them right in here. But see, this piece of wood's been skittled on the ground, so the tits are worn off of it. So it's harder to tell. Yeah, it's got bro. Huh? Fat guys don't do this. Yeah. This is a good piece of burl. This will make 40, 50 tabletops. You know, this is from here on's burl, from here on's straight grain. It's a good piece. Right, Delbert? We're gonna be working over here in this draw, dragging some big ones up the hill, okay? Ailleurs, sur le chantier, avec une précision de chirurgien dentiste, Charlie commence à dégager une souche. 7 mètres de hauteur environ, son poids 15 à 20 tonnes. Un travail systématique d'excavation. Il tourne autour du bloc pour en dégager les racines. Il lui faudra moins de 3 heures pour extraire du sol cette gigantesque dent. Au deuxième coup de boutoir, la racine vacille, puis cède. Le chantier est une fourmilière. Les équipes travaillent non-stop par série de 15 jours, sans repos ni jour férié. Câbleman est sans doute le métier le plus dangereux, mais tous sont à la merci d'un moindre incident, de la moindre défaillance technique. Ici, pas de médecin, mais dans la tête, un arrière-goût de Far West. Univers d'hommes, de marginaux, de tronçonneurs écolos, ils vivent comme les derniers pionniers l'aventure des séquoias. L'atelier de George Buck, près d'Arcana, attire maintenant des acheteurs du monde entier. Le stock est impressionnant. Chacun peut y trouver ce qu'il convoite. George Buck garantit la qualité et la rareté du bois. C'est son argument de vente. This is why this is such a lucrative business here on the coast, is that it's a highly sought after wood because of the high grains that it has and the colorations. People from all over the world come here and get the wood, yeah. How many nights? I travel from here to my house is 1,500 miles. Yeah. Il traite avec l'Asie du Sud-Est, ses plus gros clients, le Japon, la Chine et Taïwan. Taïwan, Taipei,
I'm here for buying carving wood, something like mortar wood, red wood, or metron wood, something like this. Thank you. Yeah, this is an example, some cheaper, yeah, you know. Yeah. But if there's room, I put more madron in, no mm-hmm. charge, okay? Okay, because I don't want it, I want to get rid of it. Derrière le business, il y a toujours le rêve de Georges. La démesure lorsqu'il fabrique des meubles et puis les sculptures dont il a fait un idéal artistique. À travers lui, ce sont tous les séquoias de la Californie qui revivent. The fact that what we've done is turned a byproduct of logging, just pure shit, pure waste, into a product, into a business. Which is, you know, like most, like those 60,000 roots on that guy's ranch would normally be worth nothing. If we had not started this business, it'd be worth nothing. These things were destined to rot in the woods, and now we make furniture out of them and bring them back. This chair will last forever. I am the man that gives the sequoias another life. The lumbermen cut the trees down, leave the roots to rot, and we take them and bring them back to life again. Étrange bestiaire sculptée dans les millénaires. Règne de la statue totem. Une seule pièce de bois brut façonnée à la tronçonneuse. Dans l'atelier, les pinceaux du peintre. Yeah, I'm jealous of the guys that can do it. I'm doing this, you know, I love the business and everything that is art. Most of the stuff we do is artistic. I wish I could do it myself, the carvings, but I can't. I'm very jealous of the people that can. Au fil des années, George Buck pourtant a créé quelque chose de bien plus important, une nouvelle expression de l'art à la mesure des États-Unis. Pitt attaque une statue monumentale dans un tronc de séquoia de 15 mètres de long. C'est dans cette spécialité de la sculpture à la tronçonneuse l'un des meilleurs artistes. Décor hollywoodien, les séquoias plongent de nouvelles racines dans la culture américaine. Des thèmes simples où la conquête du Far West fait toujours recette. Le centre d'Arcana est devenu l'un des points de rendez-vous. Les artistes employés à la pige gagnent entre 400 et 1000 dollars jour, une aubaine. Le travail est pénible et bruyant, et pour soutenir la sensibilité artistique, il faut du muscle. La taille des tronçonneuses, la longueur des lames s'ajustent aux détails que l'on façonne. Il faut aussi de la vigilance, les blessures aux jambes et aux mains sont fréquentes. Pete, perché sur son échafaudage, poursuit son projet obstiné. Comme George, il croit en la nouvelle vie des séquoias. Il aime travailler ce bois, le façonner. Son œuvre est inscrite dans le temps, tout comme le business de George. Deux rêves à la mesure d'une démesure, celle de l'Amérique. Seul, sur la plage, George Buck contemple l'océan.